Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, pleinement, exagérément dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis encore dans la joie de vous retrouver ce soir sur votre chaîne Samuel Panzu TV pour passer encore un moment formidable, agréable, inoubliable dans la présence de Dieu. Parce que nous savons que chaque moment que nous passons dans la présence de Dieu, ils sont inoubliables dans les non puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, papa et maman, à déjà partager massivement la vidéo et liker, commenter massivement aussi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois le facteur qui va donner, bien-aimé, à travers, bien-aimé, ton partage, la délivrance en une famille. Que tu sois le facteur, bien-aimé, qui va donner à travers ce partage la guérison, la restauration, la réparation dans un foyer, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois facteur dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous sommes tous des facteurs, bien-aimé, de la part de notre Dieu tout-puissant, bien-aimé, ici sur cette terre, bien-aimé. Notre objectif, c'est de partager la bonne nouvelle, de partager l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alors que ce soit toi et moi, nous sommes des facteurs, bien-aimés. Et lorsque nous partageons, bien-aimés, nous sommes en train de faire notre travail de facteur, bien-aimés. On donne la livraison de la paix, la livraison de la guérison, la livraison de la restauration, la livraison de la réussite, la livraison de la délivrance dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, partagez et likez. Alors, je vais prier, bien-aimés, pour recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Mais toi aussi, là où tu es de l'autre côté, bien-aimé, je veux que tu puisses aussi recommander toi-même ce moment entre les mains de ton Dieu. Que l'Éternel puisse encore nous parler, que l'Éternel puisse encore nous édifier, que ce soit toi, moi, nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que tu es merveilleux, parce que tu es précieux. Merci encore pour la victoire que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci encore pour l'élévation que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci encore, Papa, pour le privilège que tu nous as fait, pour le privilège que tu nous as accordé, que nous soyons encore là ce soir devant ta présence, devant ta majesté. Merci pour notre rendez-vous des 18h, Seigneur, Papa, qui nous a été béni, Seigneur, Papa. Bénis aussi ce moment, Papa, notre rendez-vous des 22h, Papa, maintenant, que nous soyons aussi bénis également dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang puisse envelopper chacun d'entre nous, ainsi que ton Saint-Esprit et tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne confesse pas, qui ne témoigne pas de ta volonté, Papa, soit nul et sans effet dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce soir, nous voulons entendre tout simplement ta voix, parce que ce soir, nous voulons tout simplement voir ta présence dans nos vies, parce que ce soir, nous voulons tout simplement voir, Papa, tes anges, Papa, au nom de Jésus, envelopper nos demeures, nos maisons, nos travail, nos études, tout ce qui nous appartient, les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons tous prié comme un seul homme. Amen. Oui, la famille, soyez bénie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, continuez de partager, bien-aimés, et que mon Dieu vous bénisse pour tous les partages que vous êtes en train de faire pour les réseaux sociaux de la montagne de la prière. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de commencer, bien-aimé, je tiens juste, bien-aimé, à introduire, bien-aimé, en donnant le programme de cette semaine. Oui, bien-aimé, avant tout, bon début de semaine à vous tous, sous la protection du Christ, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, comme on vous avait déjà annoncé, bien-aimé, depuis la semaine passée, bien-aimé, jusqu'à la fin de l'année, chaque week-end, nous serons en jeûne et prière. Et chaque week-end, nous avons un thème spécifique dans les noms puissants de Jésus-Christ. Le week-end passé, juste hier, nous avons clôturé. C'était le week-end, la semaine de retour à l'expéditeur. Je pense, bien-aimé, et je le crois, que nous avons tous été bénis, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth par cette doctrine du retour à l'expéditeur. Alors, cette semaine, la famille, nous sommes dans la semaine de la Bible ou la magie. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois la Bible ou la magie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un enseignement très puissant que notre Dieu a révélé à notre papa, le prophète Samuel Panzu, bien-aimé. Ça fait déjà 4 ans, bien-aimé, que la montagne de la prière avait été bénie, bien-aimé, par cet enseignement très puissant sur la Bible ou la magie. Ou bien-aimé, le prophète nous avait montré, bien-aimé, les actes prophétiques, et aussi il nous a encore expliqué que ce n'est pas Dieu qui a imité le diable, mais c'est que le diable qui a imité Dieu. Oui, bien-aimé, notre Dieu est authentique, notre Dieu est originel, bien-aimé, notre Dieu, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, il est authentique dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, encore cette semaine, bien-aimés, nous serons encore privilégiés et dans les privilèges de se plonger encore dans la profondeur de ce message, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Alors, en effet, cette semaine aussi, bien-aimés, comme je vous ai déjà dit, nous allons jeûner ce week-end pendant 3 jours, du vendredi 11 août jusqu'au vendredi 11 août jusqu'au dimanche 13 août. La fiche est là, bien-aimés, dans les noms puissants de Jésus-Christ, c'est la signifie que jeudi, à partir de minuit, nous rentrons en jeûne et prière. Cela signifie que nous quittons nos lits pour dormir par terre. Alors, bien-aimés, rendez-vous aussi jeudi à partir de minuit sur Facebook, au bien-aimé Samuel Panzu Ministries. Ne manquez pas, bien-aimés, encore cette semaine, l'Éternel veut te parler. L'Éternel veut me parler dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, commencez déjà à partager massivement l'information pour que nous soyons plusieurs à être baignés par ces révélations dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Alors, soyez bénis, bien-aimés, et rendez grâce à Dieu pour tout, bien-aimé. Lorsque tu as une bonne famille, lorsque tu as un bon foyer, bien-aimé, sache être reconnaissant, reconnaissante envers l'Éternel des armées. Je viens aussi parler à un enfant comme moi, à un jeune comme moi. Sois reconnaissant, sois reconnaissante lorsque tu as des parents merveilleux, lorsque tu as des parents qui sont bien, lorsque tu as des parents qui t'aiment avec un amour sincère. Sois reconnaissant dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu vois que tes parents sont stricts, mais cela est uniquement pour ton bien, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas les enfants de dehors, ne dis pas pourquoi papa et maman vous me laissez pas sortir comme les autres, bien-aimés. Mais tu ne sais pas, certains enfants qui sortent, ils ne sortent pas parce que les parents leur donnaient la permission, ils sortent parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise à la maison, parce que l'atmosphère n'est pas bien. Mais toi, au contrairement à eux, l'atmosphère elle est paisible, agréable chez toi à la maison. Alors sois reconnaissant. Je viens dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu peux me taper 5 fois, bien-aimé, reconnaissant, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais juste faire ce petit rappel, bien-aimé, d'être toujours reconnaissant envers la parole de Dieu, d'être toujours reconnaissant envers les hauts faits de notre Éternel des armées, bien-aimé. Alors, bien-aimé, sois toujours dans la joie, sois toujours dans l'allégresse, sois toujours, bien-aimé, dans l'atmosphère de l'adoration, bien-aimé, pour élever et célébrer ton Dieu tout-puissant dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, continuez à partager la vidéo massivement. Alors, la famille, comme j'ai dit, le thème de cette semaine, bien-aimés, c'est la Bible ou la magie. Il faut que tu saches, bien-aimé, que notre Dieu, bien-aimé, est un Dieu de multisystèmes. Donc, bien-aimé, cela signifie qu'il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu peut nous guérir. Il y a plusieurs façons, bien-aimé, dans lesquelles Dieu, bien-aimé, peut te délivrer, peut nous sauver, peut nous restaurer. Alors, tape-moi 5 fois multisystèmes, multisystèmes, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu est un Dieu de multisystème, est un Dieu multisystème dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut nous guérir naturellement à travers une parole, mais il peut le faire aussi à travers des actes prophétiques. Oui, ben, mais tape-moi 5 fois acte prophétique, acte prophétique, acte prophétique dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu multisystème. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières, plusieurs modèles, même si on peut le dire, bien-aimé, par lesquels Dieu peut nous restaurer, bien-aimé, peut nous arranger, peut nous élever, bien-aimé, peut, bien-aimé, nous réparer dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Mais il y a aussi les actes prophétiques par lesquels Dieu peut nous délivrer, par lesquels Dieu peut nous sauver. Donc, bien-aimé, la prière que je vais faire ce soir est celle d'un homme qui est aveugle, un aveugle né, bien-aimé, dont on connaît tous le prénom, c'est Bartimée. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport, bien-aimé, à cette histoire, bien-aimé, d'un aveugle né. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu, si nous prenons, bien-aimé, nos Bibles dans Jean chapitre 9. verset 7. Oui, bien-aimé, tape moi Jean chapitre 9, verset 7, pour s'aider les uns et les autres, pour qu'on puisse se retrouver tous et lire tous ensemble convenablement dans les mains puissantes de Jésus-Christ. Voici, bien-aimé, ce que la parole de Dieu est en train de dire dans Jean chapitre 9, verset 7. Oui, bien-aimé, c'est Jésus, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Tape pour moi 5 fois, bien-aimé, clair, 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 clair. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tu puisses voir au clair ce soir, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons dit que nous sommes dans le mois des bonnes nouvelles, que tes yeux voient la bonne nouvelle, que ton âme ressent la bonne nouvelle, que ton esprit ressente la bonne nouvelle. T'as les noms puissants de Jésus-Christ. Que tes pensées, bien-aimés, imagine, on puisse rêver que de bonnes nouvelles dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, au nom de Jésus, notre prière de ce soir s'intitule la prière de délivrance à travers les actes prophétiques. Tape-moi 5 fois, délivrance, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est la prière de délivrance à travers les actes prophétiques. Oui, bien-aimé, avant tout, la délivrance. La délivrance, bien-aimé, signifie un soulagement, signifie une libération. Est-ce que tu peux aussi me taper soulagement, soulagement, soulagement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ? Oui, bien-aimé, la délivrance, c'est un soulagement et une libération. Comme bien-aimé, lorsque une femme est enceinte, bien-aimée, mais lorsqu'elle accouche, elle se soulage, elle se libère de ce poids, bien-aimé, qui l'a accompagnée pendant 9 mois. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que pendant, bien-aimé, ce poids l'accompagnait pendant 9 mois, et lorsque, bien-aimé, le bébé est sorti, bien-aimé, elle a été soulagée. Alors je déclare, bien-aimé, que ce poids, dont le nom et la maladie, qu'il sort de ton corps, afin que tu sois soulagé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ce poids, bien-aimé, dont son nom et la malédiction, qu'elle libère ta famille, afin que vous soyez soulagés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce poids, dont son nom et la pauvreté, bien-aimé, libère ta maison, libère ta famille, afin que vous soyez soulagés. Que ce poids, dont le nom et la stérilité, qu'il quitte ton corps, afin que tu sois soulagé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ce poids, dont son nom et manque de papier, qu'il te libère dans les noms de Jésus, afin que tu sois soulagé. Que ce poids, dont le nom, bien-aimé, et le manque d'intelligence, que tu sois libéré dans les noms de Jésus, afin que tu sois soulagé. Que tous ces poids, bien-aimé, dans leur prénom est un prénom diabolique, au nom de Jésus-Christ, qu'il sort de ta vie, afin que tu sois soulagé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tape-moi encore cette fois, bien-aimé, soulagé, 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 soulagé dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tu sois soulagé ce soir, que ce soir tu sois libéré dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que vous soyez soulagés, que tes enfants soient soulagés, que ton mari soit soulagé, que ta femme soit soulagée, que tes parents soient soulagés, que tes frères et sœurs soient soulagés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons encore lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire, bien-aimé, dans Luc chapitre 21, verset 28, dans les noms puissants glorieux de Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons lire ensemble Luc, bien-aimé, chapitre 21, verset 28. Voici ce que la parole de Dieu est en train de dire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oui, bien aimé, je vais encore relire Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux me taper 5 fois? La délivrance approche, la délivrance approche, la délivrance approche. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour quelqu'un ce soir que ta délivrance approche. Je déclare que la délivrance de tes papiers approche. La délivrance de tes enfants approche. La délivrance pour la réussite de tes études approche. La délivrance de ton mariage approche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance de ta richesse, de ta santé, de ta prospérité, de ton élévation, de ton bonheur, de ta joie, de ta paix, de ton harmonie, de l'amour au nom de Jésus-Christ est en train de s'approcher. La délivrance approche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois, bien-aimé. La délivrance approche. La délivrance approche dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, lorsque le 9e mois arrive, bien-aimé, cela veut dire que le soulagement est proche, bien-aimé. Lorsque le 9e mois arrive pour la femme, pour une maman qui est enceinte, bien-aimé, cela signifie que le soulagement est proche. Je viens dire à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'heure de ta délivrance, l'heure de ta libération arrive dans le nom de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un ce soir que l'heure de ton soulagement, l'ère de ta libération est en train d'arriver dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, les 9e mois arrivent dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette raison, bien-aimé, je veux qu'aujourd'hui, tu poses la question à Dieu de t'orienter. Que l'Éternel puisse te donner une orientation. Peut-être tu souffres et tu ne sais pas où est la solution. Mais en priant Dieu, bien-aimé, peut te dire, bien-aimé, mais en priant, Dieu peut te dire, prends un verre d'eau, prends ceci. Oui, bien-aimé, alors ce soir, tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, montre-moi la voie de ma guérison. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois la voie, la voie, la voie, la voie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, je veux que ce soir, tu regardes, bien-aimé, envers les cieux, bien-aimé. Tu lèves tes yeux, bien-aimé, vers les montagnes. Tu lèves tes yeux, bien-aimé, vers les cieux. Que tu demandes vraiment à ton Dieu, Père éternel, peux-tu me montrer la voie de ma guérison? Peux-tu me montrer la voie de ma restauration? Les psalmistes sont en train de dire dans les psaumes 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, bien-aimé, l'Éternel est celui qui peut te donner la voie de ta guérison. L'Éternel est celui qui peut te donner la voie de ta restauration. L'Éternel est celui qui peut te donner la voie de ton élévation dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, je veux être guéri. Si c'est la parole, c'est par la parole. Si c'est la prière, c'est la prière. Et si je dois poser un acte, Père éternel, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir le chemin de ma guérison. Oui, bien-aimé, je veux que ce soir, l'Éternel ouvre tes yeux. Je veux que ce soir, tu demandes à ton Dieu, Père éternel, que ma vue soit claire dans les noms puissants de Jésus-Christ. De la même manière que tu as rendu la vue à Bartimée, à l'aveugle né de naissance, au nom de Jésus-Christ, rends-moi, Papa, aussi la vue encore plus claire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel puisse te montrer, que tu puisses voir, bien-aimé, le chemin de ta guérison, que tu puisses voir, bien-aimé, le trajet de la restauration, que tu puisses voir la direction, que tu puisses voir le couloir, que tu puisses voir le sentier, bien-aimé, que tu puisses voir la direction, bien-aimé, de ta richesse, le couloir pour atteindre, bien-aimé, ta santé, le sentier, bien-aimé, pour ton bonheur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois. Direction, direction, direction. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que ce soir tu puisses trouver. Que ce soir tu puisses, bien-aimé, trouver, bien-aimé, la direction de ta guérison. Que ce soir tu puisses trouver, bien-aimé, la direction de ton élévation. La direction de ta santé. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tape-moi aussi 5 fois la vue, la vue, la vue. La vue dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ce soir, l'Éternel puisse laver tes yeux dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu vois clair dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Jésus a craché, bien-aimé, par terre, bien-aimé, et il a fait la boue, bien-aimé, avec sa salive, bien-aimé. Il l'a mis sur les yeux de Bartimée, bien-aimé, et il a dit à Bartimée, va te laver au réservoir de Siloé. Et lorsque Bartimée, il est allé, bien-aimé, il a vu clair. Que toi aussi, ce soir, tu peux se voir au clair. Que chaque membre de ta famille puisse se voir au clair dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Que celui-là, ou celle-là, qui voulait, bien-aimé, au nom de Jésus, aveugler ta vue, bien-aimé, afin que tu ne vois pas le sentier de ta guérison, afin que tu ne vois pas le couloir de ton élévation, afin que tu ne vois pas la direction de ta réussite, la direction de ta santé. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que lui-même soit aveuglé dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tape-moi encore 5 fois la vue, la vue, la vue, la vue, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, ce soir, nous montre, bien-aimé, le trajet de notre restauration, le trajet de notre délivrance, bien-aimé, les sentiers que nous devons prendre, bien-aimé. Oui, bien-aimé, les chemins pour Anne, le chemin pour Anne, c'était de monter tous les jours à la montagne des Siloé, bien-aimé, et prier, bien-aimé, l'Éternel. Le chemin, bien-aimé, la direction de la femme courbée pendant 18 ans pour sa guérison, c'était de se présenter toujours à la synagogue. Oui, bien-aimé, lorsque maintenant on parle d'actes, bien-aimé, on parle de gestes. Lorsqu'on dit un acte, on dit un geste. Tape-moi 5 fois acte, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle d'un acte, on parle d'un geste, dans les noms puissants de Jésus-Christ. La femme de la perte du sang, bien-aimé, pendant 12 ans, bien-aimé, l'acte qu'elle a fait, bien-aimé, c'était celui de toucher le bout de vêtement de Jésus. Oh, bien-aimé, tape-moi encore une fois, acte, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, l'acte que la femme, bien-aimé, de la perte du sang, pendant, bien-aimé, 12 ans, ce qu'elle a fait, bien-aimé, c'était de toucher le bout de vêtement de Jésus. Bien-aimé, afin, bien-aimé, de recevoir la flèche de la guérison dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu encore une fois de plus dans 2 Rois chapitre 13. Oui, bien-aimé, 2 Rois, chapitre 13, verset 16 jusqu'au verset 17. Partagez la vidéo, la famille, partagez dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, écrivez, bien-aimé, pour s'aider les uns et les autres. 2 Rois, chapitre 13, verset 16 jusqu'au verset 17. Oui, bien-aimé, la Bible en train de dire ceci. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Bien-aimé, est-ce que tu peux me taper 5 fois la flèche de la délivrance, la flèche de la délivrance dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, bien-aimé, flèche de délivrance dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tu reçois, bien-aimé, que tu reçois les flèches de délivrance Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Élisée a dit au roi d'Israël, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, afin que tu puisses exterminer tous les Syriens à Afek. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus, que tu reçois les flèches de délivrance dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Anne, elle a reçu la flèche de la délivrance. Bartimée a reçu la flèche de la délivrance. La femme courbée pendant 18 ans, elle a reçu la flèche de la délivrance. La femme de la perte du sang, bien-aimée, pendant 12 ans, elle a reçu, bien-aimée, la flèche de la délivrance. L'homme paralytique, pendant 38 ans, il a reçu la flèche de la délivrance. Le peuple d'Israël, rendu esclave pendant 430 ans, ils ont reçu, bien-aimée, la flèche de la délivrance. Alors que toi aussi, tu reçois maintenant, instantanément, au nom de Jésus, impérativement, la flèche de la délivrance dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour cela, bien-aimé, tu dois savoir poser des actes. Tu dois savoir, bien-aimé, demander à ton Dieu. Père éternel, montre-moi le chemin de la guérison. Montre-moi le chemin de ma grâce. Montre-moi le chemin de mon bonheur. Montre-moi le chemin de ma joie. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si nous retournons à notre verset principal, bien-aimé, qui nous a amené ici, et c'est Jean chapitre 9. Mais cette fois-ci, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, lisons Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Oui, bien-aimé, voici ce que la parole de Dieu est en train de dire. Partagez la famille dans les noms de Jésus. Jésus vit. En passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux me taper 5 fois? Amen, 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 amen. Qu'il le soit ainsi aussi pour chacun d'entre nous, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions voir au clair, bien-aimé. Que nous puissions, bien-aimé, recevoir notre flèche de la délivrance dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que l'Éternel t'accorde assez de foi. Que l'Éternel nous accorde assez de foi, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est un Dieu qui guérit. Oui, bien-aimé, Bartimée a gardé la foi, la ferme assurance, la conviction, bien-aimé, qui lui a permis de retrouver la vue. Oui, bien-aimé, je viens te dire, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, le jour de la délivrance est arrivé. La flèche, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, m'a frappé. Oui, bien-aimé, Bartimée, il a compris, bien-aimé, et aujourd'hui, le jour de sa délivrance était arrivé. Que la flèche de la délivrance l'a frappé dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, peuple de Dieu. Oui, bien-aimé, lorsque un homme de Dieu, bien-aimé, te donne un acte prophétique à faire, bien-aimé, comme, bien-aimé, prenons l'exemple, boire l'eau avec le sel pendant 3 jours. Si, bien-aimé, l'homme de Dieu, bien-aimé, il te dit, oui, ma fille, oui, mon fils, pendant ces 3 jours, prends l'eau et bois l'eau avec le sel, afin que tu vois la guérison. Ne dis pas, bien-aimé, mais comment cela peut me guérir? Mais comment cela pourrait me délivrer? Non, au contraire. prends cet acte avec la foi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, prends cet acte avec conviction. Jésus, bien-aimé, a craché à terre. Il a fui, bien-aimé, la boue avec sa salive. Et par cela, l'aveugle, bien-aimé, Bartimée a été guéri. Alors tu le seras aussi de même. Mais c'est pour cela, bien-aimé, garde la foi, bien-aimé. Sois convaincu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à ton Dieu, bien-aimé. Fais confiance, bien-aimé, en cet acte prophétique que tu es en train de faire. Tape-moi encore 5 fois. Acte prophétique, acte prophétique, acte prophétique, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, l'Éternel est un Dieu qui guérit. Est un Dieu qui guérit, bien-aimé. L'Éternel guérit à travers sa parole. Et Bartimée, bien-aimé, a recouvert la vie. Mais cet homme, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, oui, bien-aimé, cet homme, bien-aimé, il a craché, bien-aimé. Jésus, bien-aimé, il a craché, bien-aimé, et il lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants de Jésus. Que ce soir, tu dis, Seigneur, il y a quelque part où il y a ma guérison. Il y a quelque part où il y a ma restauration. Il y a quelque part où il y a ma délivrance. Il y a quelque part où il y a ma santé. Il y a quelque part où se trouve ma richesse. Il y a quelque part où se trouve mon élévation, où se trouve mon bonheur, où se trouve mon harmonie. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois dire à ton Dieu, peut-être l'objet de ma guérison se trouve dans ma propre maison. Peut-être que c'est de l'oignon, peut-être que c'est de l'huile. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, montre-moi. Oui, bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à prier ton Dieu, dans les noms puissants glorieux de Jésus, que tu dises à ton Dieu, Père éternel, ce soir, je te demande, montre-moi, Papa, montre-moi, Seigneur, Papa, l'objet de ma guérison, montre-moi, Papa, l'outil de ma restauration, l'outil de mon élévation, l'outil de ma délivrance, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Si l'objet se trouve chez moi à la maison, dans ma propre maison, Père éternel, montre-moi. Si l'objet se trouve ailleurs, Papa, Père éternel, montre-moi. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé. Dans les noms puissants de Jésus, dis à ton Dieu, Père éternel, montre-moi le chemin de ma guérison. Montre-moi, Papa, au nom de Jésus, l'utile, l'objet de ma guérison, l'utile, l'objet de ma restauration, l'utile, l'objet de mon élévation, de ma grandeur, de ma santé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu, Père éternel, montre-moi, Papa, montre-moi le chemin, Papa, montre-moi le chemin, Seigneur, Papa, de la guérison, de l'élévation. Père éternel, Papa, montre-moi l'utile, Papa, montre-moi l'objet, Papa, de ma restauration, de ma réparation, de ma résurrection, Papa, de tout ce qui était mort dans ma vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, demande à ton Dieu que l'Éternel te montre ce soir, que l'Éternel te montre l'objet, l'objet qui doit délivrer ta maison, l'objet qui doit délivrer ta vie, l'objet qui doit délivrer la vie de tes enfants, l'objet qui doit délivrer la vie de ton mari, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que cet objet te soit dévoilé, que cet objet te soit dévoilé, que cet outil te soit dévoilé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, dévoile-moi, dévoile-moi, Papa, au nom de Jésus, l'objet de ma guérison, l'objet de mon élévation, l'objet de ma richesse, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois, dévoilé, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que l'objet de ta guérison, l'objet de ta délivrance, l'objet de ta libération, l'objet de ton soulagement te soit dévoilé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que l'objet de ton soulagement te soit montré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'objet de ta libération te soit dévoilé, te soit présenté, te soit au nom de Jésus-Christ. Que l'objet de la guérison, bien-aimé, pour la vie, bien-aimé, de tes enfants, de ton mari, qui te soit présenté, qui te soit dévoilé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas encore prier ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander à ton Dieu, Père éternel, je te demande si, Seigneur, pardonnez-moi la famille, je te demande s'il te plaît, Père éternel, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que mes yeux, papa, soient lavés, papa, soient lavés par ta boue, papa, que tes yeux soient lavés par ta boue, enfin, papa, que je puisse voir clair, comme Bartimée, il a récupéré la vue, papa, il a vu clair, papa, il est parti après, papa, c'est lavé, papa, dans le réservoir de Siloé, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Père éternel, de laver mes yeux, papa, avec ta boue, papa, au nom de Jésus, afin que mes yeux voient clair, afin que je puisse voir clair, papa, afin que je puisse trouver, papa, l'objet de ma guérison, l'objet de ma délivrance, l'objet de ma délivrance, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier, ton Dieu bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, dis à ton Dieu, Père éternel, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, que je puisse, papa, que je puisse, Père éternel, trouver, Seigneur, papa, que mes yeux, papa, soient lavés, que mes yeux soient lavés, papa, par ta boue, papa, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, que je puisse voir, papa, l'objet, papa, de ma guérison, que je puisse voir l'objet, papa, de mon élévation, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, que papa, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que mes yeux soient lavés par ta boue, afin que je puisse voir clair, afin que tu puisses me dévoiler l'objet de ma guérison, l'objet de mon élévation, l'objet de ma grandeur, papa, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu de la même manière, papa, que Bartimée, il a vu clair, papa, il a vu clair, papa, moi aussi je vais voir au clair pour trouver, papa, l'objet de ma guérison, pour trouver l'objet de mon élévation, pour trouver l'objet, Seigneur, papa, de ma restauration, de ma réparation, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, s'il te plaît, papa, lave-nous, lave nos yeux par ta boue, lave nos yeux par ta boue, lave nos yeux par ta boue, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu, papa, au nom de Jésus, qui écoute nos prières et qui les exauce, papa, s'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, Seigneur, je te demande, Seigneur, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, de nous laver, papa, de laver nos yeux, papa, de laver nos yeux, Seigneur, de laver chacun de nos yeux par ta boue, papa, afin que nous puissions voir au clair, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois la boue, la boue, la boue, la boue, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tu puisses voir clair, que tu puisses voir clair, que chacun de tes enfants puisse voir clair, que ton mari puisse voir clair, que ta femme puisse voir clair, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que tu puisses voir de tes propres yeux l'objet de ta guérison, que tu puisses voir de tes propres yeux, bien-aimé, l'objet, l'utile, le chemin, le trajet, le couloir, le sentier, la direction, bien-aimé, pour ta grandeur, pour ton élévation, pour ta richesse, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de déclarer la prière de délivrance à travers les actes prophétiques, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, en effet, la parole de Dieu, bien-aimé, est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel à travers des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, bien-aimé, cela signifie dans les noms puissants de Jésus-Christ, bien-aimé, que ce que tu es en train de demander à ton Dieu, bien-aimé, montre-le, bien-aimé, à travers des actes, montre-le, bien-aimé, à travers la parole, à travers la prière, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Fais un geste, bien-aimé, afin que ton Dieu puisse, bien-aimé, te montrer le chemin de ta guérison, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, à travers des supplications. Bartimée, bien-aimé, Il a crié deux fois, bien-aimé, malgré que la foule voulait l'étouffer, mais Bartimée, bien-aimé, il a crié plus fort, bien-aimé. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. C'était des cris, des supplications. Oui, bien-aimé, comme la parole de Dieu en train de dire, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications et des actions de grâce. Bartimée, il a supplié à travers ses cris, fils de David, aie pitié de moi. Dans le sens, fils de David, tu ne peux pas partir. Jésus, tu ne peux pas partir sans m'avoir guéri, sans m'avoir accordé la flèche de la délivrance dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses arrêter ton Dieu bien-aimé, que Jésus s'arrête pour toi, que Jésus s'arrête pour te montrer le chemin de ta guérison, que Jésus s'arrête pour te montrer bien-aimé la direction bien-aimé au nom de Jésus-Christ de ta délivrance dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui bien-aimé, la femme de la perte du sang pendant 12 ans bien-aimé, elle a su arrêter Jésus bien-aimé. Lorsqu'elle a touché le bout de vêtement de Jésus, Jésus s'est arrêté bien-aimé. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Et à la fin, nous voyons bien-aimé qu'il a dit à la femme de la perte du sang pendant 12 ans, ta foi t'a sauvée. L'acte qu'elle a fait l'a sauvée au nom de Jésus-Christ. Alors toi aussi bien-aimé, en pause, fais des actes bien-aimé pour voir la délivrance se manifester dans ta vie, pour voir la délivrance s'opérer dans ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé bien-aimé du soulagement, de la libération bien-aimé, de tous ces poids bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, que je sois soulagé, que je sois soulagé, que ce poids dont son nom était maladie, dont son nom était pauvreté, stérilité, célibat, divorce, manque de papier, manque d'intelligence, adultère, infidélité, mauvaise pensée, mari des nuits, femme des nuits, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que tous ces poids sataniques sortent de ma vie, sortent de ma maison, sortent de ma famille, au nom de Jésus-Christ, afin que je sois soulagé, afin que je sois libéré, afin que je sois délivré, afin que je sois restauré, afin que je sois sauvé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth, je déclare, Papa, la sortie, Papa, de tous ces poids, Papa, sataniques dans les noms de Jésus. Si, Papa, son nom, Papa, était maladie, elle sort, son poids, elle sort dans les noms de Jésus. Si son nom était malédiction, souffrance, malheur, douleur, Papa, au nom de Jésus, ça sort aussi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je déclare la sortie, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, de tous ces poids, Papa, afin, Papa, que je puisse voir, afin que je puisse recevoir ma guérison, Papa, ma délivrance, afin que je sois soulagé, afin que je sois libéré, afin que ma famille sois libéré aussi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, déclare-le pour la vie de tes enfants, déclare-le pour la vie de tes enfants aussi. Dis à ton Dieu, Père éternel, que le poids de la rébellion, le poids d'impolitesse, le poids de manque de respect, le poids de la haine, de la jalousie, sort de la vie de tous mes enfants, sort de la vie de mes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le aussi pour ton mari, déclare-le pour ta femme. Dis, Père éternel, que le poids de la fidélité, de l'adultère, du manque de respect, de querelle, de la haine, de la jalousie, au nom de Jésus, de la maladie, de l'esprit de mort, des mauvaises pensées, de mari des nuits, des femmes des nuits, au nom de Jésus-Christ, que ça sort de sa vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, nous faisons déjà sortir sortir. Nous faisons sortir tous ces poids sataniques dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois déclarer à ton Dieu que tous ces poids diaboliques sont en train de sortir, sont en train d'être délogés de ma vie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, afin que je sois soulagé, afin que je sois libéré, afin que je sois sauvé, guéri, restauré, réparé, Papa, au nom de Jésus-Christ, arrangé. Oui, Seigneur éternel, nous voulons être arrangé dans notre chemin, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous déclarons, bien-aimés, que les poids sataniques, les poids diaboliques sont en train de sortir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons tous prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi encore 5 fois. Soulagé, 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 soulagé dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. La prière de délivrance à travers les actes prophétiques. Oui, bien-aimé, comme on a prié tout à l'heure, je viens encore le déclarer, que l'objet de ta guérison te soit dévoilé, que l'objet de ta guérison te soit présenté, te soit montré dans les noms de Jésus. Si c'est l'oignon, si c'est l'huile, si c'est le sel, si c'est le verre d'eau, oui, bien mais fais-le dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, montre-moi cet objet, montre-moi cet outil, montre-moi, Papa, dans les noms de Jésus-Christ, cet instrument, cet ingrédient, au nom de Jésus, qui va, Papa, permettre ma guérison, qui va permettre mon élévation, qui va permettre, au nom de Jésus-Christ, ma restauration, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La boue bien-aimée, avec la salive bien-aimée, la boue qui a été formée bien-aimée, avec la salive de Jésus, lorsqu'il a craché, bien-aimé, ont permis bien-aimé la guérison de Bartimée bien-aimé. Et lorsqu'il est parti aussi, c'est lavé avec l'eau bien-aimé, dans le réservoir de Siloé. Cela a permis bien-aimé la guérison de Bartimée. Alors bien-aimé, dis à ton Dieu encore ce soir, Père éternel, s'il te plaît, Papa, montre-moi la voie, montre-moi la voie de ma guérison, montre-moi la voie de mon élévation, montre-moi la voie de ma restauration, montre-moi la voie de ma santé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, bien-aimé, si c'est la prière, c'est la prière. Continue de persévérer dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Anne, elle a continué à persévérer, bien-aimé, dans la prière, bien-aimé, malgré le temps que ça a pris, mais elle a continué à persévérer, parce que après, bien-aimé, lorsqu'elle a continué à prier, à prier, à prier, sans relâche, pas bien-aimé, sans cesse, elle a vu le résultat, bien-aimé. Elle a vu, bien-aimé, la délivrance s'opérer dans sa vie. Elle est, bien-aimé, tombée enceinte, bien-aimé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si Dieu te révèle ce soir que, bien-aimé, l'objet de ta guérison, l'outil de ta guérison, bien-aimé, la voie de ta guérison, c'est la prière, bien-aimé, ne te plains pas, bien-aimé. Mais ne te plains pas. Dis à ton Dieu, d'accord Seigneur, je vais continuer à persévérer dans la prière. Chaque jour, je vais continuer à prier pour que ma guérison puisse arriver, pour que ma délivrance puisse arriver, pour que ma restauration, pour que mon élévation, pour que ma santé puisse arriver dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Anne, elle a continué à prier. Oui, bien-aimé, alors toi aussi, continue de prier dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La prière de délivrance à travers les actes prophétiques dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, deviens aussi une actionnaire. Deviens aussi un actionnaire dans les noms puissants de Jésus. Tape-moi 5 fois. Actionnaire, 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 actionnaire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ce soir, bien-aimé, tu comprends encore une fois de plus que nous devons savoir imposer des actes, que nous devons savoir poser des actes dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Les actes parleront en ta faveur. Ton acte parlera en ta faveur. Le geste que tu as fait parlera en ta faveur, afin que tu sois délivré, afin que tu sois sauvé dans les noms de Jésus. L'acte de la femme de la perte du sang pendant 12 ans a témoigné à sa faveur, parce qu'elle a reçu sa délivrance, elle a reçu sa guérison. Alors toi aussi, bien-aimé, apprends à poser des actes contact dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous sommes à la fin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu pries ton Dieu. Je veux que tu puisses dire à ton Dieu, Père éternel, que la flèche de la délivrance puisse frapper ma maison. Que la flèche de la délivrance puisse frapper ma famille. Que la flèche de la délivrance puisse frapper mon travail, frapper les études de mes enfants, frapper dans les noms puissants de Jésus-Christ mon mariage, mon foyer, mon ministère, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé, commence à prier ton Dieu dans les noms de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, je te demande s'il te plaît, que l'acte, papa, de la foi, papa, que l'acte, Seigneur, papa, puisse témoigner en ma faveur, que la flèche de la délivrance puisse frapper pour ma maison, que la flèche de la délivrance puisse frapper pour ma famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. De la même manière que la flèche de la délivrance a frappé papa Bartimée, a frappé papa Anne, a frappé Job, a frappé papa David, a frappé Joseph, a frappé papa la femme dans la perte du sang, la femme courbée, l'homme paralytique, papa, les enfants d'Israël. Moi aussi je déclare, papa, que la flèche de la délivrance est en train de me frapper, que la flèche de la délivrance est en train de frapper ma maison, ma famille, que la flèche de la guérison est en train de me frapper, que la flèche de l'élévation est en train de me frapper, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, la flèche de la délivrance est en train de frapper ta maison, la flèche de la délivrance est en train de frapper ton mariage, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que l'esprit diabolique que vous voulez prendre possession dans ton mariage, au nom de Jésus-Christ, la flèche de l'Éternel arrive pour te délivrer ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ. La flèche de l'Éternel arrive pour délivrer tes enfants, pour délivrer ton mari, pour délivrer ton travail, pour délivrer aussi les échoués de tes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi qu'un enfant comme moi puisse déclarer ce soir, dans les noms de Jésus, Père éternel, papa, s'il te plaît, que ta flèche de délivrance frappe mes études, afin, papa, qu'ils soient libres, afin que la réussite, papa, puisse s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Quel est cet esprit d'oubli? Quel est cet esprit qui voulait te faire rater tes études, qui voulait, au nom de Jésus-Christ, te faire abandonner tes études? Au nom de Jésus-Christ, que la flèche de la délivrance de l'Éternel des armées puisse frapper tes études, afin qu'ils soient soulagés, afin qu'ils soient libres et qu'ils nagent dans la réussite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, je veux que tu puisses, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que ton mariage nage dans l'harmonie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ta famille nage dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère de calme, de joie, de bonheur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que tes études puissent nager dans l'atmosphère de la réussite, de l'élévation, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que ton travail nage dans l'atmosphère de la réussite, dans l'atmosphère de la grandeur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, pour clôturer, tape-moi 5 fois. Nagez, 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 nagez dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Que ce soir, bien-aimé, par la prière de délivrance, à travers les actes prophétiques, au nom de Jésus-Christ, que tu sois dans la profondeur, bien-aimé, de la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, je déclare que la flèche de la délivrance est en train de frapper ta maison, que la flèche de la délivrance est en train de frapper ta famille, dans les noms de Jésus. Je clôture pour dire, bien-aimé, que l'Éternel ce soir, qu'il te montre réellement le chemin, bien-aimé, de ta guérison, la voie de ta guérison, le trajet de ta guérison, le sentier de ta guérison, le couloir de ta guérison, t'as les noms puissants de Jésus-Christ, la direction de ta restauration, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, au nom de Jésus, puisse opérer la délivrance, afin que tu sois soulagé, afin que tu sois libre, libérer de tout ce poids satanique dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Devenons des actionnaires bien-aimés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Faisons des actes prophétiques afin que la délivrance s'opère, que nous puissions voir clair, voir l'objet, l'utile dans les noms de Jésus-Christ de notre guérison. Si c'est dans notre propre maison, Éternel, montre-nous. Éternel, dévoile-nous dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Soyez bénis la famille dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, bien-aimés, et continuez aussi à partager cette vidéo. N'oubliez pas, bien-aimés, que jeudi à minuit, nous rentrons en jeûne et prière de 3 jours du vendredi 11 août jusqu'au dimanche 13 août comme thème la Bible ou la magie. Alors partage déjà l'information partout, bien-aimés, à tes amis, à tes frères, à tes cousins, à tes parents, à tes oncles, à tes tantes, mais partage, bien-aimé, pour que nous soyons les facteurs, bien-aimés, qui accordent le colis de la délivrance, le colis de la grâce, le colis du bonheur, de la joie, de la paix à des familles, à plusieurs familles dans ce monde, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille, comme nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible, avec Jésus, c'est toujours possible la prière de délivrance à travers les actes prophétiques. Ne manque pas, bien-aimé, pour ce bien-aimé puissant programme de ce week-end, la Bible ou la magie. Restez connectés, bien-aimé. Rendez-vous, bien-aimé, mercredi à 18 h sur notre page Facebook Samuel Panzu Ministries et encore à 22 h, bien-aimé, sur votre chaîne Samuel Panzu TV. Oh, le nom puissant de Jésus-Christ, et jeudi à minuit, nous sommes sur Facebook pour entrer en jeûne et prière dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alors soyez bénis la famille, abondamment, pleinement, exagérément. Sur ce coup, je vous dis, soyez bénis, et encore une fois de plus, avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis la famille. Bye bye.